par le Saint-Esprit. Parasekerarabolosa. Idoroske pararibabolosa. Vous savez, ces temps-ci, il y a une chose particulière. Ces temps-ci, je comprends mieux pourquoi parfois certains prédicateurs chantent la même chanson tout le temps. À l'époque, je ne comprenais pas. Je dis, mais il n'a pas un autre chant. En fait, il y a des chants par saison comme ça. C'est comme si le Seigneur te fait tomber amoureux d'un chant. Et que c'est ce chant, pour les autres, sont un chant. Mais pour toi, ce n'est pas un chant. C'est juste pour une saison. C'est un soupir permanent. Et c'est ce qui un peu m'arrive. C'est pour ça que je voulais peut-être avoir l'impression que je n'ai pas d'autres chants, mais il y a des chants qui ne font que revenir en moi. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Esprit de Dieu, honoré, Abba, tu es honoré, tu es honoré. Tu es honoré, ô Saint-Esprit, paraclet, ami fidèle, cher bon berger, tu es mon rocher, honoré Abba, tu es mon conducteur, tu es ma force, celui qui me vient en aide, celui qui m'assiste, celui qui me secoue, celui qui est mon bouclier. Oh mon protecteur, rocher protecteur, amour de ma vie, passion de mon cœur, ma focalisation, mes sources sont en toi, tu as les pleins pouvoirs, je te confie les règles, tu es désiré, Abba, oh cher magnifique, oh combien précieux. Ce n'est pas un chant, c'est une supplication, c'est un désir du cœur, c'est un profond soupir, c'est une soif de toi. Oh, ne me laisse pas où je suis, emmène-moi à te connaître, emmène-moi à te vivre, à expérimenter la Pentecôte, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ma vie. Tu es désiré, tu es obéi, tu es obéi. Oh, mon cœur veut t'obéir, aide-moi à t'obéir. Oh, je t'en supplie, à te donner le contrôle, à te donner les pleins pouvoirs, d'accomplir ta politique, d'accomplir ton agenda. Obéi, oh cher magnifique, magnifique. Tu es imploré, ta capacité est implorée, Seigneur, car tu es le Seigneur, selon qu'il est écrit. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Tu es le compagnon de ma vie, mon compagnon de tous les jours, tu es l'ami fidèle, celui qui aime en tout temps, celui qui ne me culpabilise pas, celui qui ne me condamne jamais, mais celui qui me convainc. Tu es imploré, à implorer, tu es imploré, tu es imploré, tu es réclamé, Abba, ta présence est réclamée, ta plénitude est réclamée. Ton cœur est réclamé, ton dépôt est réclamé, ton revêtement est réclamé, ta main étendue est réclamée, tes capacités sont réclamées, réclamées. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de l'année, toutes les années de la décennie, toutes les décennies de ce siècle. Tu es réclamé, tu es réclamé, tu es bien aimé. Tu es bien aimé, tu es bien aimé, tu es bien aimé, tu révèles l'époux, tu nous rends amoureux de l'époux, tu nous reconnectes à l'époux, tu nous prépares pour l'époux, tu nous prépares pour l'enlèvement. Réclamé, tu es bien aimé, tu es attendu.
attendu. Oh, combien magnifique. Tu es attendu. Chaque jour, tu es attendu. Ce n'est pas seulement une fois qu'il fallait l'attendre. Pour chaque choix, pour chaque décision, pour chaque résolution, pour chaque trajectoire, pour tous les aspects de ma vie, tu es attendu. Je ne peux pas faire quoi que ce soit. Je ne peux rien sans toi. Ma Bible dit que personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Parce que tu es la capacité de faire les bons choix. Tu es attendu. La vie éternelle est attendue. Ta sagesse est attendue. Ton conseil est attendu. La crainte de ton nom, la haine du péché est attendue. Attendu. Tu es attendu. Oh, combien magnifique. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne voulons rien sans toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, il faut l'attendre, attendez-le. Sans toi on ne peut pas parler. Sans toi on ne peut pas agir. Sans toi on ne peut pas changer. Tu es attendu. Alors atterris aujourd'hui. Tu es attendu. Alors atterris dans la vie de quelqu'un qui ne te connaissait pas encore. Tu es attendu. Attendu. Oh combien attendu. Attendu. Tu es recherché, recherché à ma. Tu es recherché, nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs te désirent, mon âme soupire. Mon esprit au-devant de moi te cherche. Mon corps languit après toi. Car tu es recherché, recherché. Tu es recherché, tu es recherché. Tu es recherché, Baba. Tu es recherché, tu es recherché. Tu es imploré. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Tu es imploré. J'ai dit tu es imploré. Imploré. Seigneur, tu es imploré. Oh, ne me laisse pas dans la misère. Oh, je ne me laisse pas dans la satisfaction. Oh, je t'en supplie. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour le chemin parcouru. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a plus que cela. Il y a plus grand que cela. Il y a plus profond que cette dimension. Il y a plus large que cette dimension. Il y a plus puissant. Il y a plus large. Il y a plus grand. Il y a plus profond. Voilà pourquoi tu es imploré. Oubliant ce qui est en arrière. Nous voulons courir vers l'avant afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es imploré. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes reconnaissants, mais nous refusons de rester là. Nous refusons de stagner. Nous refusons de dresser une tente. Nous voulons aller en eau profonde. Nous voulons aller en profondeur. Tu es imploré. Oh, comme est magnifique. Ce n'est pas une chanson. C'est un appel à l'aide. C'est une supplication. C'est un cri du cœur. Imploré. Tu es imploré. Tu es imploré. Pour aller plus haut, plus haut. Imploré. Pour aller en largeur. Une vie d'expansion. Une vie d'accroissement. Une vie de déploiement. Une vie de témoignage. Pour une vie de rayonnement. Pour une vie où Jésus est révélé. Où Jésus est constaté. Où Jésus est apprécié. Où Jésus est reconnu. Où Jésus est couronné. Imploré. Tu es imploré. Tu es imploré. Tu es imploré. Imploré. Tu es 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 imploré. Malade sorinamara. Oh, élève la voix et d'arara. Est-ce que tu l'implores, bien-aimé?
Est-ce que tu soupires après lui? David a dit, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire dans une terre aride et desséchée. Ainsi mon âme soupire après toi. Est-ce que ton âme à toi soupire, bien-aimé? Est-ce que ton âme soupire après sa plénitude? Est-ce que ton âme soupire après son commandement? Ou est-ce que tu te plais à l'amertume? Tu te plais à la jalousie? Tu te plais aux offenses? Tu te plais aux rivalités? Tu te plais à la colère? Ou est-ce que tu soupires après sa paix? Tu soupires après sa douceur? Tu soupires après son humilité? Tu soupires après son cœur? Tu soupires après sa sainteté? Si c'est ton cas, alors prends le temps de soupirer, prends le temps de soupirer. Tu es imploré, tu es imploré, ne me laisse pas où je suis. Imploré, tu es imploré, tu es imploré, tu es imploré. Ne me laisse pas comme je suis. Viens me conformer à Christ, viens révéler Christ, viens me façonner. Viens me transformer, implorer. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je suis un incapable. Ah, mais toi, Seigneur, tu es imploré, tu es imploré. Je reconnais mes faiblesses. Tu es imploré. Ah, Paul a tellement imploré, que Paul a tellement imploré. Il a fini par dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis redoutablement fort. C'est alors qu'il ne faut pas me sous-estimer, parce que le secret de ma force, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est le Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est imploré, Paul l'a imploré, Pierre l'a imploré. Il est le secret de la transformation. Le secret, c'est l'implorer. Tu es imploré. Ne me laisse pas où je suis. Oh, je t'en supplie. Ne me laisse pas comme je suis. Emmène-moi en profondeur à la conformité à Christ, afin qu'il soit établi que tel tu es. Que si nous sommes dans ce monde, yeah.
nos bouches et les pensées de nos cœurs. Viens saisir, viens te répondre au son de ma voix. Que nos fils et nos filles prophétisent, que nos jeunes gens aient des visions, que les vieillards aient des songes, que sur tes serviteurs et sur tes servantes, le Saint-Esprit soit répandu. Implorer comme la chambre haute, comme la chambre haute. Délivre de la peur, délivre de l'amertume, délivre des blessures de l'âme, délivre l'office des démons, délivre de ce qui n'est pas de toi. Viens reçois le gouvernement divin, la domination de Christ. Viens faire parler le sang de la rédemption. Tu es pleuré, tu es pleuré. Les débats, tu es la parama. Tendre Père, tendre Père, présent par ton esprit, Jésus-Christ, imploré, tu es Dieu trois fois saint, Dieu trois fois saint, fidèle et véritable, imploré, tu es imploré, tu es imploré, tu es imploré, acclamé, acclamé. Tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté dans la francophonie et qui ce matin a envie de l'acclamer? Fais demander des claveurs en son honneur, car il est digne de louange, car le Seigneur est grand et très digne de louange. Il est incomparable, il est insondable, il est inégalable, il est inébranlable, il est le roc, le rocher sur lequel ta vie doit être bâtie. Acclamé, 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 tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé. Tu es acclamé, tu es acclamé, tu es acclamé. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es accueilli. Tu es paraclé, paraclé, tu es accueilli, oh paraclé, tu es bien-aimé, Saint-Esprit, paraclé, tu es Père, tendre, tu es
domination. Et assois ta domination. Désiré. Réchalimara. Chalemaya. Que nous t'accueillons. C'est la pratique de ta parole, c'est le respect de tes commandements, c'est la pratique de ta justice. Tu es bien aimé, 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 tu es bien aimé. Seulement de recevoir le Saint-Esprit, mais la grâce d'être gouverné par le Saint-Esprit. Que la Pentecôte ne soit pas un événement ponctuel, que la Pentecôte soit notre expérience quotidienne. Relâche cette grâce dans la vie de celui qui a soif. Relâche cette grâce, nous te prions. Nous te remercions. Nous te prions d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous te prions d'étendre ta main, de nous remplir ce matin, de nous conduire, équiper, revêtir, qualifier, de faire de nous des instruments, des prodiges, des miracles et des signes vivants dans leur époque. Dans leur génération, des sujets d'étonnement, des hommes et des femmes qui plus jamais ne subissent, mais uniquement triomphent et dorment par l'abondance de la grâce et le don de la justice qui règne dès maintenant dans cette vie, qui domine sur les œuvres du diable, sur le péché, sur la chair. Sur les conditions, sur la pauvreté, sur la météo, qui vont simplement comme Jésus, et qui sont simplement comme Jésus, afin qu'il soit attesté que Jésus-Christ vit, qu'il n'est pas mort, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Fais infiniment, abondamment. Au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous.
Au nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen.